El Adviento es un camino de búsqueda y un deseo de Dios. María y José tomaron la decisión de emprender este camino, siendo peregrinos de la fe, para acoger el proyecto del Emmanuel, del Dios con nosotros. Al igual que ellos, los peregrinos se dejan sorprender por su misericordia, que siempre viene a nuestras vidas por caminos nuevos. J'avais 8 ans, je suis rentré dans une église, j'ai vu un mec content, heureux et qui partageait sa joie. Et je me suis dit à ce moment-là, franchement, si lui est heureux, je peux l'être aussi, j'ai envie d'être heureux et je sais ce que je vais faire comme lui. Et à partir de là, tout s'est greffé. Et c'est vrai qu'on en parlait souvent avec les copains, et là où même à 20, 25 ans, ils ne savaient pas encore ce qu'ils voulaient faire, ben moi j'étais en paix parce que je savais ce que je voulais faire et je savais que ça donnait un sens, non seulement à ma vie, mais aussi à tous ceux qui m'entouraient. Alors la crainte, c'est de croire qu'on est des solitaires, qu'on est reclus, qu'on s'enferme dans un presbytère, tout ça. J'aimais bien sortir, je faisais la fête. J'adorais avec les copains faire du DJ. Même la difficulté, je n'aimais pas l'école, mais quand l'église m'a appelé, il a fallu que je retourne entre guillemets sur les bancs d'école. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis curé d'une paroisse, d'une vingtaine de communes. J'ai rien perdu, si ce n'est que ça a complété. Ça a un peu sublimé un peu mon quotidien. On se permet d'aller au cinéma, on a même le temps pour ça, j'allais dire, toujours en voiture, ça c'est vrai. On s'ennuie pas, quoi. Franchement, on s'ennuie pas. Et je dis avec humour que certains connaissent l'ennui, mais pas moi. Et puis, j'ai pas envie de le connaître. Moi, ce qui me fait vivre à la fois, c'est ces rencontres avec les gens, ce qu'ils vont me dire de moi-même, mais aussi de Dieu. À la fois aussi à travers de divers travaux manuels. Autrefois, j'étais ouvrier, mais j'ai gardé aussi ce petit côté où je fabrique, j'ai besoin de créer. Et je garde tout cela. Et aujourd'hui, je peux dire que oui, je suis assez comblé. Assez comblé. Dans toute histoire, j'allais dire amoureuse, il y a un échange. Et la prière en fait partie, forcément. La prière, c'est aussi ce temps où je vais pouvoir confier et espérer. Elle prend une bonne partie, c'est vrai. Du fait que je sois là, c'est une prière. Et c'est ce qui me nourrit. C'est aussi une des richesses du sacerdoce. Après, comme tout le monde, je me suis posé la question « Et si je tombe amoureux, qu'est-ce qui se passe ?» Je me suis posé ces questions-là. Mais après tout, quand on tombe amoureux de quelqu'un, on s'engage normalement envers une personne. Et on apprend petit à petit, chaque jour, la fidélité avec cette personne. Son amour me permet aussi de me nourrir et d'être fidèle. Voilà. Et je pense qu'avec le Seigneur, c'est à peu près le même système. Je me suis laissé séduire par lui, et c'est lui qui, chaque jour, me nourrit dans cet amour. Cette fidélité, cet engagement, il se crée chaque jour. Donc, on pourrait se poser des questions jusqu'à la fin des temps. Avec le temps, j'ai découvert qu'il y a plusieurs façons d'aimer. Petit à petit, le Seigneur m'a permis de découvrir ma façon d'aimer. C'est une façon qui m'a comblé et qui m'apporte beaucoup aujourd'hui. Peut-être que c'est aussi la tienne. Si uno quiere compartir su fe con la palabra, tiene que escuchar mucho. Imitemos el estilo de Jesús, que se adaptaba a las personas que tenía ante él para acercarles el amor de Dios. Recemos para que las personas dedicadas al servicio de la transmisión de la fe
encuentren un lenguaje adaptado al presente, en diálogo con la cultura, en diálogo con el corazón de las personas y sobre todo escuchando mucho.